ça. Eh ben, je suis à vous. C'est vrai. Ça va comme ça? Le cinéma pour moi était ma vie en fait, parce que je travaille donc depuis 40 ans, on va dire 45 ans, avec des cinéastes, avec des films, et j'ai essayé de les accompagner. Pour moi le cinéma c'est des histoires, c'est une façon de rencontrer les autres, de connaître les autres, d'autres pays, d'autres histoires, d'autres conditions, d'autres trajets, de les aimer, de les comprendre. Vous êtes rentrée comment en cinéma? Alors, je suis rentrée d'une multiple façon. J'étais une enfant dans le Massif central, donc dans un petit village. Et j'ai été surtout happée, étant adolescente, par la littérature. Et puis, en classe de première, notre professeur de français nous a emmené voir « Cri chuchotement » de Bergman. En fait, j'ai rien compris au film, mais j'ai compris une chose. J'ai compris qu'il y avait quelque chose dans laquelle je devais rentrer, qu'il ne m'était pas accessible là, mais qu'il y avait une porte à frapper, qu'il fallait essayer d'y rentrer. Et ensuite, j'ai vu beaucoup de films, ça m'a donné envie de voir beaucoup de films, et je pense que c'est comme ça que j'y suis rentrée, en tout cas dans mon désir. C'est un désir cinématographique. Est-ce que ça aurait pu être un même désir pictural de la peinture ou autre, parce qu'on rapproche? Alors je pense pas, d'abord parce que j'étais pas excellente en dessin et j'étais quelqu'un de littéraire au départ, j'ai fait des études de lettres et j'avais le goût des histoires, un amour infini des histoires, je m'intéressais aux histoires des personnes et le cinéma m'a permis de connaître tellement d'univers et de monde. Et je pense que c'est ça, quand même, comme dans la littérature, qui m'a passionnée dans le cinéma quand j'étais adolescente. Après, j'ai découvert la forme, j'ai découvert d'autres choses, mais au départ, ça avait vraiment un rapport avec m'emmener dans une histoire, dans un voyage. Tu connais l'heure bleue ? L'heure bleue. En fait, c'est pas une heure, c'est une minute. Juste avant l'aube, il y a une minute de silence. Et tu sais comment ça s'appelle une voleuse? Ça s'appelle une kleptomane. La kleptomanie, c'est un vice. C'est une maladie. Alors t'as aidé une malade, t'as aidé une vicieuse, et en aidant une vicieuse, tu t'es viciée toi-même. Quand je peins, j'essaie vraiment d'être une porte ouverte à mes émotions, de laisser parler mon cœur. En fait, je me destinais à être professeur de français. Je l'ai été. Donc, j'étais dans un lycée d'enseignement professionnel. En fait, j'ai fait un club théâtre avec mes élèves. Et on jouait dans les montagnes des Monts du Forêt. Donc, c'était des tout petits villages, peut-être même plus petits que Jindou. Et on jouait, il y avait les paysans, venaient nous voir. C'était tout à fait merveilleux. Et en fait, on prenait des contes de la région. Et le musée de notre ville à côté, qui s'appelle Montbrison, nous a, monsieur qui s'appelle Daniel Pouget, m'a dit « Mais il y a un club cinéma à Montbrison, il faut qu'on garde une trace de ces pièces de théâtre qui viennent des contes d'Henri Pourrat, de Marguerite Gonon, de conteurs de notre pays. » Et on a fait des films en 16 avec les élèves. Ma professeure, quand j'ai à Saint-Étienne, quand j'étais en Hippocagne, s'occupait d'un cinéma d'art et d'essai à Saint-Étienne qui s'appelle Le France. Et elle travaillait beaucoup avec les scolaires. Et elle m'a dit, Régine, comme j'essayais de passer le cap et la grègue, j'ai échoué, parce que je n'ai sans doute pas le niveau, mais aussi parce que j'étais toujours avec mes élèves dans les films. Enfin, j'étais tout à fait passionnée par tout ça. Et elle m'a dit de venir au France. Donc j'ai pris en main cette salle d'art et d'essai. Moi, j'étais une jeune femme de, je sais pas, 22 ans. Et j'ai adoré faire ce travail au cinéma Le France. Alors, je travaillais, il y avait les professeurs d'anglais, on faisait Ken Loach, Family Life, il y avait L'Enfant Sauvage de François Truffaut, il y avait Molière, il y avait Gaspard Hauser pour les profs d'allemand, etc. Et ça marchait, notre petite affaire marchait très bien.
Et de fil en aiguille, en fait, Gaumont s'est intéressé pour également essayer de faire, de développer ce secteur. Toscan du Plantier était chez Gaumont. Et à l'époque, il faisait beaucoup de films à réessayer. Donc il avait par exemple Fanny Alexandre de Bergman. Il avait, je me rappelle, les films de, il y avait des films de Werner Herzog. Et il avait besoin, évidemment, dans cette grande maison où on voulait que les films marchent, il avait besoin que ces films qu'il aimait et qu'il prenait en distribution soient travaillés sur ce qu'on appelle un peu aujourd'hui des publics spécifiques, des élèves qui viendraient. Je pense aussi ses opéras, Don Giovanni, essayer de contacter les professeurs de musique. Et donc j'ai fait ce travail chez Gaumont. Et puis un jour, quelqu'un de Gaumont, qui s'appelle Denis Château, m'a dit « Ah, écoutez Régine, vous aimez trop Romère, parce que j'aimais énormément Romère, je ne faisais que parler de Romère. » Il m'a dit « Écoutez, c'était en juin 86, il m'a dit « Eh bien, appelez donc Margaret Ménégoz, je pense qu'elles aimeraient vous rencontrer avec Romère, ils veulent monter quelque chose qui aurait à voir avec votre désir. » Et c'est comme ça qu'on a fait la... Je me suis présentée au Losange. Et aussi curieusement que ça paraisse, ils m'ont ouvert la porte. J'ai essayé, depuis quelque temps, de me remémorer des moments importants sur les films et de ne pas les présenter au public de façon dogmatique, mais d'essayer de faire comprendre, de faire partager des souvenirs que j'avais eus sur ces films et qui racontent sans doute profondément ce qu'ont été ces films et quelle relation j'avais avec le metteur en scène. Par exemple, hier soir, quand je raconte que peut-être L'Arble-Mère et la médiathèque, pour moi, ça, j'ai appris avec Romère une forme de liberté à travers ce film. Je trouvais que c'était amusant de dire que finalement, il l'a tourné en cachette et on l'a sorti en 2 semaines et qu'on n'est pas du tout passé par les codes habituels ni de la production, ni de la distribution, mais juste d'une chose qui s'appelle, pour lui, le désir de faire ce film. Et moi aussi, qui était finalement sa main droite dans la distribution, essayer le plus loyalement possible et le mieux possible, parce que je l'aimais beaucoup, de répondre à son désir, qui était de le sortir vite, que ça corresponde à un moment de ces élections qui avaient lieu en France, et puis aussi dans un nombre de salles et avec de la durée. Ça, c'était quelque chose que Romère me disait tout le temps. Je préfère avoir moins de salles, mais je veux que mes films durent longtemps, longtemps, longtemps. Il serait très malheureux aujourd'hui, je pense. Mais peut-être qu'aujourd'hui, au fond, peut-être qu'avec Romère, on sortirait autrement. C'est-à-dire ? Eh bien, on sortirait, comme il a fait avec L'Arble-Mère et la médiathèque, 2 salles, 6 mois. Parce qu'il pensait que ça apportait du bouche à oreille, que les films n'étaient pas des films qui devaient être passagers, mais qui devaient être des films qui tiennent les écrans, un peu comme au théâtre, et qu'au fond, il n'y a pas un seul modèle. Et je pense que s'il a voulu une distribution au sein du Losange, c'est aussi pour accompagner mieux auprès des salles et du public, et aussi pour se libérer d'un certain conformisme de la distribution. Mais c'est moi qui le dis. Je le dis, je l'assume. Ce n'est pas Romère, il se permettrait jamais. Mais moi, je le dis pour lui, parce que je vois bien quand même, je vis chaque jour de ma vie à côté de ses films, je vois bien que partout dans le monde, à quel point il est aimé. Et vous savez, j'ai une jolie histoire, c'est que quand on a fait la rétrospective à la Cinémathèque, on l'avait fait aussi dans une salle qui s'appelle le Luxor. Et dans la salle de cinéma, il y avait plein de jeunes. Et je leur dis, mais pourquoi venez-vous voir les films de Romère ? Et ils me disent, mais madame, c'est des histoires de jeunes. Et j'ai trouvé ça joli, quoi. Et voilà. Et je pense que le temps passe
et que tout de même, il y a toujours un certain bonheur à retrouver Manu chez Maud, Conte d'été, Les nuits de la pleine lune. Oh, j'en ai plein. Alors tu peux peut-être en prendre un de plus. En tout cas, ça sera pas toi. Mais j'ai pas dit que j'étais candidat. Bon, là, j'aime pas qu'on me touche. Et tes petits amis? Oh, ils n'oseraient pas. Alors c'est pas des mecs. Et Pauline à la plage, évidemment, avec Pascal Grégory, tous ceux qu'on a vus hier. Ah, le pèlerinage. Eh oui. Avec la plaque et alors, pour revenir à votre métier, en fait, qu'est-ce que c'est la vraie fonction d'un distributeur? Vous avez des films en main, vous êtes producteur. Est-ce que vous êtes coproducteur de films? Comment ça se passe Alors exactement, en fait, moi, un producteur, c'est quelqu'un qui fabrique le film, et un distributeur, c'est un passeur, c'est un éditeur. Moi, mon travail, en fait, de distributrice, c'est de faire vivre le film. En fait, le producteur le fabrique, et moi, je dois le faire vivre. Donc, je dois le faire vivre auprès du public en France. Il y a aussi des publics à l'étranger, et je dois le faire vivre en salle, je dois le faire vivre en vidéo, à la télévision, je dois le restaurer, parce que je les restaure. Je dois essayer en fait qu'ils soient, de les faire vivre et de les maintenir toujours en vie, si je peux dire ça. Après, mon travail, c'est pas, je n'arrive pas quand le film est fini. Au Losange, on était pour beaucoup producteurs. Le cœur du Losange était une maison de production au départ, que Barbet Schroeder a fondée. Et moi, il a été fondé en 62, moi je suis arrivée en 86. Mais malgré tout, quand j'ai pris la distribution, j'ai été associée forcément dès le début au scénario. Je lis les scénarios, les metteurs en scène sont à côté de moi. Comme on déjeune ici chez vous à Jindou, ben on déjeunait pareil au Losange. Romer allait chez le boulanger s'acheter trois petites choses à manger et on partageait, on discutait. Et aujourd'hui, où même Romer n'est plus là, je suis très proche des... Je m'engage sur des scénarios, le distributeur s'engage sur scénarios, donne de l'argent sur scénarios. Par exemple, là, je suis engagée sur le nouveau film de Nadav Lapive, donc je l'ai lu, je lui dis, là où je trouve trop long, où je trouve très bien, où on a un échange, on parle ensemble, et je propose de l'argent pour l'aider dans sa production, parce que la distribution est aussi une aide économique au producteur pour faire le film. Et ensuite, on va faire un compagnon de voyage pour trouver le meilleur festival pour mettre le film, et ensuite pour le mettre dans les salles, pour en parler aux salles, à l'attaché de presse, aux journalistes, et faire en sorte que le film ait le plus grand succès possible dans ce qu'il est, quoi. On est très proche, en fin de compte, du métier d'éditeur. Très. D'ailleurs, souvent, moi, c'est prétentieux encore, hein, je pense beaucoup à une maison d'édition, aussi maintenant de plus en plus, parce que je travaille beaucoup sur... au Losange, on a un très beau catalogue, puisqu'on a beaucoup produit, et on a beaucoup produit avec fidélité sur des auteurs. Je pense qu'une des marques du Losange, c'est l'indépendance et la fidélité. En fait, la première chose, c'est qu'il faut avoir envie de travailler avec quelqu'un et sur une histoire. Il faut l'aimer, la sentir. Des histoires... je me souviens, Margaret Menegos, quand on a rencontré Haneke, elle lui a dit « Ah non, mais si c'est pour faire Funny Games et tout ça, ça va être difficile. J'ai pas tellement envie de passer 3 ans de ma vie avec une histoire qui me correspond pas du tout. » Et c'est là qu'il lui a dit « Mais je pense que je peux faire d'autres choses. » Donc c'est aussi une discussion, une affaire de désir. C'est un mariage quand même, hein, la production, la distribution. Donc il faut bien s'entendre, il faut s'entendre avec l'auteur et il faut s'entendre avec ce que raconte le film. C'est très important pour les enfants pauvres comme pour les enfants riches de leur apporter ce monde de l'imaginaire et cette arme que la peinture peut avancer dans la vie. De ça, je suis convaincu. Et on n'a pas besoin d'être artiste pour être plus armé en relation au monde grâce au dessin. Alors ce patrimoine, j'y travaille beaucoup. Donc on l'a restauré entièrement
Donc il y a plusieurs grands cinéastes. Alors il y a ceux qu'on a produits. Donc il y a évidemment Romer, Barbet Schroeder. J'ai aussi Ottario Celiani, Jacques Rivette. Il y a Wim Wenders, il y a Haneke, et Nicolas Philibert, Tony Gatliff. Beaucoup de réalisateurs ne me confient pas un film parce qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. Et donc j'ai pas tous leurs films, mais la majorité de leurs films. Eh bien, nous les vendons. Par exemple, nous avons fait Eustache, là, donc c'est un joli exemple. Par exemple, c'était une œuvre qui n'avait pas été montrée. Donc l'année dernière, on a restauré La Maman et la Putain. Et depuis cet hiver, nous avons travaillé tout l'hiver à restaurer Les Petites Amoureuses, Les Rosières de Pessac, Numéro Zéro, les courts-métrages, les moyens-métrages. Les 11 films d'Eustache sont restaurés en 4K. Ils ont aujourd'hui des nouveaux sous-titres anglais, des sous-titres pour les sourds et malentendants, une audiodescription. Et donc ces films aujourd'hui voyagent dans le monde entier. Par exemple, Criterion aux États-Unis a acheté les films de Jean Eustache. Il faut savoir que La Maman et la Putain est le film de patrimoine qui aux États-Unis a le mieux marché l'année dernière. Mais ça donne du courage, ça. Et donc, je travaille ces films. Je travaille ces catalogues. Haneke, par exemple, j'essaie pour le moment de restaurer des films qu'il a fait pour la télévision, qui sont tout à fait formidables pour comprendre son travail d'après. Donc j'essaie d'enrichir ce catalogue, de faire qu'il soit toujours bien conservé. Alors le CNC en France m'a beaucoup aidée et je remercie évidemment et Béatrice de Pastre et tout le monde. Parce qu'aussi, les négatifs 35 sont aux archives. Et moi, je travaille avec maintenant des éléments numériques restaurés. Vous avez vu L'Arble-Mère hier. L'Arble-Mère, il est tourné en 16. Et l'élément restauré est très beau, en fait. Hein. Ça a été fait par Diane Baratier, qui était ici. Elle l'a restauré. Et donc, j'essaie que ce patrimoine soit toujours beau et disons diffusable dans le monde entier, visible dans le monde entier, et toujours en parler, toujours essayer de le rendre vivant. Parce qu'une bobine de film ou un DCP, sur une étagère, c'est jamais bon. Un film, il est fait pour être vu dans les yeux des spectateurs.